Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la popo-S. Eh oui, encore. Donc, pourquoi on va encore parler de la popo-S? Donc, je pense aux petits nouveaux, justement, qui ne peuvent pas lâcher Linux, ou même pas besoin d'être nouveau. Mais souvent, des fois, on a besoin d'un Windows. Mais moi, j'ai besoin d'un Windows. Voilà, j'ai un logiciel OBD qui me permet de voir ce qu'il y a à ma voiture. Malheureusement, il ne marche que sous Windows. Donc, pas le choix, obligé d'avoir un double boot sur mon PC portable. Mais comme vous le savez, avec PopOS, c'est la merde. Vous le savez, s'il y en a qui ont déjà essayé, c'est la grosse merde. Par contre, pour résoudre ce problème, il existe ce petit logiciel, voilà, qui s'installera quand vous avez fini d'installer votre PopOS. D'accord? Par contre, ce serait bien que vous ayez deux disques durs. C'est quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire le premier avec installer Windows et après vous installez PopOS. Et quand vous êtes sur la PopOS, vous installez la petite commande qui est ici. Sudo apt install refine. Excusez-moi si je ne le dis pas bien. Voilà. Ce que va faire ce logiciel va créer une sorte de grub. Comme vous savez que sur PopOS, ils n'ont pas le grub comme toutes les autres distributions Linux. Ils appellent ça systemd, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un petit peu compliqué. Donc, on va passer sur le portable et je vais vous faire voir ce que ça donne. Parce que ça marche en plus. Allez, à de suite. Donc c'est parti, on se retrouve sur la machine de guerre. Vous la connaissez celle-là? Eh, c'est le nouveau. On va allumer la bécane. Quand vous aurez fait l'installation, voilà sur quoi vous allez tomber. Voyez, vous avez un menu déroulant avec un compteur ici. Donc si vous faites rien, ça reviendra automatiquement dessus. Par contre, ce qui est bien, ce que vous voyez, vous pouvez accéder au BIOS. Sur cette machine, c'est assez pénible d'aller dans le BIOS parce qu'il faut prendre un petit truc pointu ici, genre un trombone, une punaise, et aller appuyer sur le bouton pour accéder au BIOS. C'est très casse-bonbon, hein, vous m'aurez compris. Donc là, du coup, grâce à ça, j'ai juste qu'à me mettre là. Voyez. J'ai accès au BIOS. C'est pas beau, ça? Voilà, j'ai pas besoin de m'embêter. Donc ensuite, sans me demander pas ce que c'est, je pense que c'est des partitions. Ça, c'est la partition de sauvegarde pour PopOS. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est pas grave. Ça, on s'en fout aussi, je pense que c'est le truc qui est installé à BootWifi, je ne sais pas du tout. Non, non, reviens derrière. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. D'accord? PopOS et le Windows. D'accord? Donc, on va s'amuser, j'ai besoin de me servir de mon Windows. Eh oui, je suis désolé, j'ai un logiciel OBD2 sur Windows et malheureusement il ne marche que sur Windows. Parce qu'on vient un module interface USB, je suis obligé d'avoir un Windows. Ça m'embête aussi, j'aimerais pouvoir passer que sous Linux, mais à cause de ça, je ne peux pas. Donc je suis toujours obligé d'avoir une partition Windows pour pouvoir faire marcher le logiciel. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, le Windows marche. Sachant qu'à la base, l'ordinateur n'est pas censé être compatible Windows 11. Donc, comme vous voyez, ça marche. Donc, on va éteindre. Parce que c'est caca, ça mérite là. Allez. Donc, la machine va se recouper. On rallume. Là, par contre, la petite subtilité, voilà, si vous faites rien, ça va redémarrer automatiquement sur la Windows. Donc, on change, on va aller sur PopOS. Et voilà, on est sur la PopOS. Je suis désolé, je filme mon téléphone, c'est pas très pratique. Bon, sachant que dans la machine, il y a deux disques durs. Il y en a un qui est là, que j'ai retiré le lecteur CD, qui d'ailleurs n'y était pas. Il y avait juste un cache. Donc lui, c'est la partition Windows. Et celui d'origine, c'est le PopOS. Et voilà, et comme vous pouvez voir, c'est la PopOS.
Voilà. Comme vous pouvez voir, tout est fonctionnel. Il n'y a pas de souci. Mis à part qu'il n'est pas à l'heure. Ah si, ça y est. Il s'est mis à l'heure. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous galèrent justement avec PopOS et avec un double boot. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.